Bonjour à tous et bienvenue donc sur la chaîne donc le potager à l'assiette. Donc aujourd'hui nous nous retrouvons donc en cuisine et nous allons donc réaliser ensemble une recette originale de risotto. Nous allons faire donc un risotto de coquillettes. Donc c'est la même méthode de cuisson d'un risotto de riz classique. Donc c'est parti pour la recette. Pour la recette, vous aurez besoin donc de 100 g d'échalotes, de 150 g d'épaules, de 30 g de poivrons rouges et verts pour moi, si ça permet donc de donner de la couleur. Vous aurez également besoin de 180 g donc de fèves décortiquées crues. Vous aurez également besoin de l'huile d'olive, donc 80 g, des herbes déshydratées, donc 4 g, également 480 g de coquillettes, 100 g de parmesan, également donc 1 litre de bouillon de veau, 1/4 de litre de crème liquide et 200 g de champignons, ainsi que quelques herbes pour la décoration. Dans une sauteuse, nous allons donc faire chauffer donc notre huile d'olive, y faire revenir donc nos échalotes donc ciselées ainsi que nos poivrons. Donc nous allons faire donc revenir le tout jusqu'à ce que nos échalotes du coup soient translucides. Donc lorsque nos échalotes et poivrons donc deviennent translucides, nous allons y mettre donc nos dés d'épaule et les faire revenir le tout pendant environ 1 minute. Au bout donc d'une minute, nous y versons donc nos coquillettes et mélangeons le tout afin que nos pâtes donc deviennent nacrées et soient toutes enrobées d'huile. Donc nous allons verser donc une première fois donc du bouillon de veau, la valeur environ donc de 2 bonnes louches, et laisser cuire le tout jusqu'à évaporation du liquide tout en remuant. Donc lorsque mes pâtes ont absorbé donc le liquide, j'ajoute de nouveau donc du fond de veau et je continue de les cuire jusqu'à évaporation totale de mon jus. J'en profite donc pour assaisonner donc l'ensemble sans ajouter donc de sel supplémentaire. Nous allons donc y incorporer les champignons ainsi que 2 louches de jus. Et nous allons donc remuer le tout jusqu'à évaporation totale donc du liquide. Nous versons de nouveau la valeur donc de 2 louches de fond de veau. Lorsque mes pâtes donc ont absorbé une partie de jus de veau, la crème, nous y ajoutons donc les herbes déshydratées, 1 louche de crème liquide ainsi que les fèves crues et mélangeons le tout encore une fois. En fin de cuisson, nous y incorporons donc le parmesan et mélangeons le tout. Donc à la fin de cuisson, votre risotto prendra une texture donc crémeuse et onctueuse à l'image donc d'un risotto classique.
Le risotto donc de coquillettes est prêt, servez-le bien chaud et sans attendre. En espérant en tout cas que cette vidéo vous a plu, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. En attendant, portez-vous bien et bonne semaine à tous !